La plateforme des associations et coopératives des petits commerçants transfrontaliers vient de tenir une assemblée générale élective ce jeudi 20 janvier 2022. Gervais Mouloumé-Ombeni est réélu président de cette structure des petits commerçants transfrontaliers de la ville de Bukavu. Il est secondé par Mme Safari Pascaline, réélue elle aussi à la vice-présidence de leur structure. Ce comité constitué en majorité des anciens membres promet de continuer à militer pour le bien des petits commerçants transfrontaliers. Gervais Ombeni Mouloumé pense que cette confiance que viennent de renouveler les petits commerçants en sa personne lui donne le courage de continuer à lutter pour défendre les droits de ses collègues. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir eu cette recommandation ou ce nouvel mandat auprès de nos membres. Mais étant donné que dans le secteur du petit commerce transfrontalier, il y a tant de multiples défis à relever, nous nous sommes fixés certains objectifs, une sorte de mission où on pourra aussi voir comment les réaliser, comme on a essayé un peu de réaliser certaines activités durant notre mandat. Et à ce point, les priorités parmi notre mission, il a été constaté qu'au niveau des petits commerçants transfrontaliers, il y a un problème d'abord d'accès au crédit au niveau des institutions de microfinance. Et à notre niveau, on est en train de voir comment mettre en place un mutuel d'épargne pouvant permettre à ces mamans-là, à ces femmes petites commerçantes, d'accéder facilement et librement à des crédits afin qu'ils puissent renforcer leur vie économique et en fait aussi que leur ménage soit vraiment très alimenté. C'est parmi nos priorités, mais également continuer avec les plaidoyers afin que les femmes petites commerçantes puissent se retrouver et être vraiment bien encadrées dans ces activités de petits commerçants. Ce comité est constitué de 6 femmes et 5 hommes. Il est présidé par Gervais Mouloumé, secondé par Mme Safari Pascaline comme vice-présidente. Le secrétariat est occupé par Plamé Dimbalé et Mouimouzi Dédonné respectivement comme secrétaire et secrétaire adjoint. La trésorerie est chapeautée par Mme Malangalilo Espérance et secondée par Mme Mazambi Elisa. Les conseillères sont Madame Salima Amissi, Fourabi Simoa, Chibalama Chagane. 2 chargés de discipline ont été aussi élus. Il s'agit de Confiance Bahati et Lusambia Bertin.